Bonjour à tous amis, nous sommes en direct avec vous aujourd'hui. Aujourd'hui, nous vous présentons un projet d'investissement pour des dirigeables de nouvelle génération. En direct, je suis Pavel Philippov et avec moi, Fedor Konstantinov. Avant de commencer, je vous rappelle que beaucoup de choses dépendent de votre activité. Donc, si vous souhaitez soutenir le projet, si vous aimez ce dont nous allons vous parler aujourd'hui, n'oubliez pas de mettre un like et de partager cette diffusion car plus il y a de spectateurs, plus notre projet d'investissement se développera et avancera rapidement, et plus vite le premier dirigeable sera dans le ciel. N'oubliez pas de partager les liens avec vos amis. Vous pouvez envoyer le lien sur Vcontact et sur YouTube, où nous diffusons les principales retransmissions. Vous pouvez les regarder où vous convient, et avec le même lien, il y aura un enregistrement. Donc, même plus tard, si quelqu'un regarde, tout cela sera toujours d'actualité. Eh bien, commençons. Tout d'abord, j'aimerais me présenter et vous dire où vous vous trouvez. Vous êtes sur le webinaire du projet Dirigeables de nouvelle génération. C'est un projet d'investissement dans le cadre duquel nous prévoyons de construire des dirigeables innovants. Nous allons le faire ici, en Russie. Nous attirons des fonds d'investisseurs privés par le biais d'investissements collectifs. Ces personnes qui souhaitent que de nouvelles technologies émergent en Russie et dans le monde, qu'elles changent ce monde. Et qui veulent également gagner de l'argent, car ceux qui soutiennent aujourd'hui ce projet recevront une part de l'entreprise créée. Nous sommes une entreprise financière, une entreprise financière de la Solar Group, et notre travail consiste précisément à financer de tels projets, à financer des projets et des idées intéressantes qui peuvent apporter un bon effet financier aux personnes qui soutiennent ces projets et comme vous l'avez compris, nous faisons cela par le biais du crowdfunding. C'est lorsque un nombre illimité de personnes peuvent rejoindre nos projets, investir autant d'argent qu'elles le souhaitent, en obtenant une part de l'entreprise. Nous ne faisons pas cela depuis un jour ou une année, cela fait déjà plus de 7 ans. Et pendant ce temps, nous avons des résultats assez impressionnants. Plus de 500 000 personnes sont inscrites sur notre plateforme d'investissement et pratiquement environ 100 millions de dollars ont déjà presque été attirés dans nos projets d'investissement. Notre premier projet, la société Sauvelmach, est maintenant déjà à sa phase finale. C'est une entreprise, se spécialise dans la conception et le développement de moteurs électriques de nouvelle génération, est un résident de la zone économique spéciale Technopolis Moscou, et actuellement, en ce moment même, il est en train de traverser une étape cruciale, la vérification par l'État. Au cours de laquelle Sauvelmage doit obtenir les documents de fin de construction, puis procéder à la mise en exploitation commerciale, disons-le ainsi. En tant qu'entreprise Solar Group, nous sommes une société financière. C'est pourquoi, à la fin de notre premier projet, nous avons annoncé le lancement de notre deuxième projet. Et aujourd'hui, nous allons vous en parler plus en détail. Nous avons décidé de nous concentrer sur les dirigeables. Aujourd'hui, l'un des domaines les plus intéressants et tendance dans le monde entier. Malgré cela, bien que nous comprenions depuis longtemps à quel point c'est formidable et prometteur, je voudrais quand même poser une question à Fedor. Fedor, pourquoi un dirigeable en particulier Bonjour à tous. Alors, eh bien, mes amis, il semble que nous soyons de nouveau en direct. Et comme on me l'a dit, malgré cette pause, même si l'émission a été légèrement interrompue, vous m'avez entendu, tout ce que j'ai dit, vous l'avez entendu et vu. Eh bien, au moins dans l'enregistrement, je pense que ce vide ne sera pas présent, donc nous n'allons pas nous répéter. Je vais juste répéter ma question à Fedor. Oui, pourquoi des dirigeables Pourquoi avons-nous choisi de nous concentrer sur ce domaine Oui, je salue tout le monde. C'est une bonne question. En réalité, en fait, il y a beaucoup de réponses. De... La première est que, historiquement, le financement populaire a déjà aidé à construire des dirigeables à plusieurs reprises, et pas dans un seul pays, il y a 150 ans, il y a 100 ans à l'époque soviétique, et même de nos jours, y compris nous, bien sûr. En effet, il se trouve que par le biais du crowdfunding, enfin le crowdfunding est un nouveau terme en gros, pour désigner les investissements collectifs, et le même Hindenburg a fait décoller son appareil. La Pravda de Komsomol, un appareil soviétique, a également décollé. Encore plus tôt, les Français construisaient des dirigeables. Donc il semble que le destin des dirigeables soit d'être construit grâce à des investissements collectifs. Et en réalité, il y a une demande de la part des gens de tous horizons. On peut également vérifier cela, voir les analyses des requêtes. Sur Yandex, tout comme sur Google, de nombreuses personnes demandent chaque mois où sont passés les dirigeables, ce que sont les dirigeables et pourquoi les dirigeables ne volent pas. Par conséquent, les gens le soutiennent toujours. Financièrement Oui, mais si l'on parle sérieusement, les analystes du monde entier, dans tous les pays, s'accordent à dire qu'un État a besoin d'économies, et pas seulement l'économie d'un pays en particulier, mais des économies globales pour soutenir les taux de croissance nécessaires dans le modèle économique actuel. Il est nécessaire d'ajouter une certaine solution logistique à celle déjà existante. Pour élargir les marchés, tout cela se résume au dirigeable. Ils sont un peu plus rapides, un peu moins chers, et il en faut beaucoup de grande taille, tant pour le transport de marchandises. C'est principalement ce dont parlent les analystes en matière de transport de marchandises, notamment en ce qui concerne le transport de conteneurs. Ils affirment que si nous créons la route de la soie céleste, l'économie dans son ensemble sera très prospère au cours des 100 prochaines années. Oui, tous les pays, c'est commencé. Chine, ils produisent des dirigeables. Et aux États-Unis, production relancée. En fait, c'est l'industrie des dirigeables qui a duré le plus longtemps. Si l'on ne compte pas les Allemands, les Allemands construisent déjà, mais ils construisent un seul appareil sur de nombreuses années. Ils le vendent à un prix très élevé. Ils ne prévoient pas de construire en masse de grands appareils, comme nous le savons. Mais les petits appareils, ils les construisent pour le tourisme. Les Africains construisent. Nous avons commencé à construire. Oui, les analystes s'accordent à dire que c'est nécessaire. La réalité nous montre que tout le monde a déjà commencé, c'est certain que c'est nécessaire. Pourquoi, après tout, encore une fois, les dirigeables La Solar Group avait pour objectif initial de trouver un projet qui serait le plus rentable possible. Si l'on le lance depuis le point A, il y aura un très grand avantage au point B. Et ce très grand avantage est précisément une structure qui façonne le secteur. Il existe une approche, par exemple, de produire un petit produit qui sera ensuite intégré dans un autre produit. On peut produire, mais on peut aussi fonder une industrie. C'est là où tu as à la fois le développement, la production, la réparation, l'exploitation et la formation associée, le tout en un. Formation du personnel, entretien de ces mêmes dirigeables, fourniture de services. Tu peux ouvrir une entreprise de logistique et vendre des dirigeables avec ces hangars. C'est-à-dire qu'il s'agit d'un véritable secteur qui commence par une très petite action et qu'avec de faibles coûts, on peut obtenir un si grand retour. La tâche consistait précisément à rechercher un projet et rien de mieux qu'un dirigeable n'a été trouvé. Et pourquoi encore des dirigeables Parce qu'il y a une équipe, c'est ce qu'il y a de plus important. Il y a une équipe de réalisateurs, des ingénieurs, un concepteur, des personnes qui ont déjà fait cela, et elle est complète. Il ne manquait plus qu'à s'organiser à nouveau de manière efficace et à financer tout cela correctement. Donc tout s'est bien aligné. Peux-tu expliquer en deux mots ce qu'est un dirigeable, quelles sont ses caractéristiques et en quoi il se distingue d'un ballon à air chaud Et tout de suite, la question est où peuvent-ils être utilisés Un dirigeable est un appareil volant très complexe qui utilise des lois physiques supplémentaires et également. C'est la force d'Archimède qui sert de force de portance. Si un avion ou un hélicoptère doit constamment dépenser de l'énergie pour rester en l'air, l'hélicoptère doit faire tourner son rotor principal pour rester en stationnaire, il consomme du carburant, un avion doit constamment créer une force de propulsion, c'est-à-dire qu'il ne peut rester en l'air qu'à une certaine vitesse où ses ailes commencent à générer la portance nécessaire. En revanche, un dirigeable peut rester en l'air grâce à un certain volume de gaz léger comme l'hélium et il n'y a pas de dépense d'énergie pour cela. Il flotte dans les airs, se distinguant ainsi de l'hélicoptère et de l'avion, et ne consomme pas d'énergie. Oui, pour créer cette force propulsive, il utilise les mêmes moteurs, il consomme du carburant, mais contrairement à un avion ou à un hélicoptère, il consomme beaucoup moins de carburant, ce qui est économiquement plus efficace. Eh bien, en général, à l'avenir, et l'avenir semble déjà être arrivé, il a une très grande surface qui peut être entièrement recouverte de panneaux solaires, et les moteurs peuvent être électriques. Et il a cet avantage, il peut être entièrement écologique, propre. L'avion et l'hélicoptère ne peuvent pas encore en faire autant. Et où peuvent-ils être utilisés Nous connaissons les directions standards, par exemple. La publicité, n'est-ce pas La publicité, ou le tourisme, oui, c'est la direction la plus courante qui est attribuée au dirigeable. En plus, il y a le transport de grande dimension. On dit que le dirigeable est une chose très utile. On peut y attacher quelque chose de grand, par exemple des pales d'éoliennes. Très souvent, ils y fixent virtuellement. Ou prennent directement en assemblage la tour de ligne à haute tension, la ligne de transport d'électricité. Oui, il est possible d'effectuer de tels transports de marchandises. Par exemple, récupérer une grande cargaison d'une usine qui ne peut pas passer par ses dimensions, ni par le chemin de fer, ni par la route. Par mer, cela passera naturellement mais il faut d'abord l'acheminer jusqu'à la mer. en général, cette cargaison peut être récupérée et livrée directement à l'endroit où ce produit sera utilisé. c'est l'un des avantages les plus courants de l'utilisation des dirigeables. en général, ils peuvent être utilisés n'importe où, généralement à commencer par des appareils très petits, sous forme de drones, sous forme de véhicules sans pilote. C'est la livraison de quelque chose de petit mais de très important, par exemple des médicaments. C'est par ce chemin qu'ils sont allés en Afrique. Là-bas, des Africains, en collaboration avec des Français, ont créé une start-up et ont assemblé un petit appareil. Je ne me souviens plus exactement. Il mesure environ 8 mètres de long et il transporte des médicaments entre les villes en mode automatique et sans pilote. C'est le plus petit. C'est un drone. Mais, encore une fois, un drone est comme ça. Si un drone ordinaire est un quadricoptère, oui, nous avons l'habitude de dire que les drones d'aujourd'hui sont des quadricoptères, bien que les drones puissent aussi voler avec des ailes comme des avions. Le quadricoptère est si loin, eh bien, en général, le dirigeable est plus avantageux. D'une part, il ne tombera pas, même si ses moteurs s'éteignent, il est tout de même aérostatiquement déchargé. Une partie de son poids est supportée par le gaz de levée. Oui, il y a une résistance frontale en raison de sa grande taille et de sa surface de voilure, etc. Mais tous ces inconvénients. Plus le dirigeable est grand, moins il y a d'inconvénients. Là-bas, ce sont les lois physiques qui s'appliquent, en commençant par un petit dirigeable jusqu'à un grand dirigeable. Un dirigeable hôtel, un dirigeable. En gros, le dirigeable peut créer une infrastructure autour de lui. Cela peut être un grand complexe volant qui, en atterrissant dans une zone éloignée, peut établir autour de lui. Même un centre médical. Bien qu'il y ait un centre énergétique, il est possible d'apporter des générateurs, du carburant et d'autres équipements. On peut amener une multitude d'équipements et cela deviendra un certain centre industriel que ce soit une Syrie ou pour le secteur pétrolier et gazier, c'est à dire que l'application de masse, tout ce que nous pouvons imaginer, est en général réalisable. Et oui, il a été utilisé peut être même de petite à énorme, et même dans la stratosphère, peu de gens en parlent, tout le monde parle principalement du tourisme stratosphérique, mais en réalité, l'essentiel des investissements se trouve dans les dirigeables stratosphériques, les plateformes dirigeables stratosphériques, qui peuvent effectuer des sondages à distance de la Terre retransmettre des communications, fournir Internet et accomplir de nombreuses autres tâches et fonctions. Il y a ceux qui fabriquent actuellement des satellites, mais les satellites, c'est vraiment très long, très coûteux et impossible à réparer. En revanche, un dirigeable stratosphérique peut... Tout d'abord, les satellites restent soit en point fixe, soit volent sur une orbite déterminée. Un dirigeable peut manœuvrer. Un dirigeable peut descendre, entretenir l'équipement puis remonter. Les satellites ne peuvent pas faire cela. Eh bien, le coût de production d'un tel dirigeable lors de sa fabrication en série et de son exploitation commerciale sera beaucoup plus bas que celui de ses engins spatiaux, de cette fusée spatiale, de ce satellite et des étages de propulsion. Il est évident que pour le développer, il faut investir et cela coûte assez cher, mais son utilisation par la suite représente véritablement le Saint Graal. La stratosphère n'est pas occupée. La stratosphère n'est pas occupée. Nous avons appris à voler dans les airs, manœuvrer dans l'espace, mais la stratosphère est vide, tout le monde y aspire, donc le dirigeable peut même y être... Eh bien, tu as comparé les dirigeables stratosphériques aux satellites, n'est-ce pas mais dans l'ensemble, si l'on compare les dirigeables à d'autres types d'aéronefs comme les avions et les hélicoptères, quels sont les avantages des dirigeables Parce que ces tâches peuvent également être accomplies par des avions et des hélicoptères. Eh bien, le même engin, ni avion ni hélicoptère, ne peut pas rester suspendu au-dessus de la ville pendant plusieurs jours. Un dirigeable peut, à partir de petites dimensions, comme 2 à 4 000 mètres cubes, ce qui est un petit dirigeable, le volume de son enveloppe, rester en l'air pendant des jours. Plus le dirigeable est grand, plus il a de puissance énergétique et plus il peut rester longtemps là, soit en vol, soit suspendu au-dessus du terrain. La première chose que ni un avion, ni un hélicoptère ne peuvent faire... Il est évident que le dirigeable est meilleur que l'avion car il peut atterrir et décoller verticalement, mais un hélicoptère peut aussi le faire. Il peut. Mais un dirigeable peut avoir une capacité de charge de 200, 300, 400, 500 tonnes. Mais un hélicoptère ne peut pas avoir une telle capacité de charge à partir d'une certaine dimension. Les avions ne peuvent pas avoir une plus grande capacité de charge car les lois physiques ne le permettent pas. En revanche, pour les dirigeables, il semble qu'aucune limitation théorique n'ait encore été énoncée. Je ne veux pas dire ce qui n'a pas été découvert, mais si un vaisseau de transport de marchandises a une capacité de charge folle, c'est certainement des dirigeables, certainement pas des hélicoptères ni des avions. Oui, il est un peu plus lent. En fait, il est beaucoup plus lent que les avions tels que nous les connaissons. Mais il existe déjà, et même notre équipe de développeurs a des concepts prometteurs pour des dirigeables rapides et de haute altitude. Là, on parle de 300, 400, 500 km à l'heure, voire plus. Ce n'est déjà plus ce que c'était avant. Autrefois, les dirigeables volaient à environ 100 km à l'heure, mais ils n'atteignent pas encore la vitesse des avions, des Boeing. En ce qui concerne d'autres entreprises qui s'occupent actuellement des dirigeables, je me suis également plongé dans cet environnement, disons-le ainsi, et je vois que tout le monde parle des dirigeables comme s'ils étaient mentionnés partout et qu'ils sont prévus pour être utilisés dans des tâches très variées, parmi ce que font diverses entreprises et États dans le monde, que voudrais-tu souligner Quels sont peut-être des projets intéressants, des idées qui sont en cours de réalisation Des idées vraiment très intéressantes, mais absolument personne n'en parle. Tu comprends bien, les Chinois fabriquent maintenant pratiquement un clone exact de notre AU-30 russe. Nous en avions un autre. Ils l'ont construit, et ils l'ont vraiment bien construit. Il n'y a rien de moderne là-dedans. C'est simplement un aéronef plus léger que l'air, piloté. C'est pourquoi on l'appelle un dirigeable. Ils vont faire le même modèle commercial que celui qui est actuellement réalisé en Allemagne. En Allemagne, ils fabriquent un dirigeable de 12 places. Ils volent au-dessus de Friedrichshafen. Tu as déjà fait un tour, tu l'as déjà vu. Ils gagnent pas mal d'argent. Là-bas, quelques appareils volent, et ils ont suffisamment au-dessus de leur tête. Les Chinois fabriquent le même modèle, le même dirigeable, c'est juste entre notre O30 et le Zeppelin allemand. Rien de moderne, ils ont pris le même appareil, simplement ils en ont commandé un qui vole déjà, et ils en ont commandé dix autres, donc ils veulent lancer onze appareils sur un itinéraire touristique. C'est un peu une version éprouvée, ce qui va se passer ensuite, quelles seront les formes prometteuses, je suis sûr qu'elles existent, mais personne n'en parle. Parce que même l'apparence extérieure du dirigeable, comment il se présente, quelle est sa forme, quelle est la forme de l'empennage, quelle est la nacelle, où se trouvent les moteurs, enfin les moteurs, ils peuvent se trouver à la fois sur la nacelle et sur le corps même du dirigeable. Par exemple, à l'arrière du dirigeable allemand, il y a quelqu'un, et à l'avant, on en ajoute encore. C'est un secret, c'est ce qui est, disons donc le principal, c'est de calculer cette apparence extérieure, de placer le moteur, la répartition du poids, et ainsi de suite. en fait, il les cache tous. je suis sûr que quelqu'un fabrique un dirigeable moderne, mais on ne le montre tout simplement pas. sergueï brin ne fait pas moderne. sergueï brin fait la même chose en amérique. sergueï brin, cofondateur de google, construit son propre dirigeable. là-bas, il disait qu'il allait soulever l'air avec le serveur. Mais maintenant, il dit que ce seront des opérations de sauvetage. Il construit un dirigeable rigide selon le schéma classique. Allemand, il n'existe pas de dirigeable rigide moderne. Eh bien, il en a un. Mais on a vraiment l'impression qu'il copie totalement et complètement cet ancien appareil inefficace. Mais il n'y a absolument rien de rien. Oui, il fabrique le plus grand des appareils qui existent encore aujourd'hui. Oui, il utilise des matériaux composites en carbone, mais il est cependant difficile de le qualifier de moderne, d'autant plus que c'est quelque chose du futur. Ce qu'ils font, c'est justement viser en fait la stratosphère. Une entreprise américaine a récemment lancé dans la stratosphère un petit appareil tout à fait très particulier, innovant et unique. On peut lancer dans la stratosphère des sondes non pilotées, des ballons, des aérostats. Bien qu'ils puissent être rendus pilotés, cela dépend de l'altitude. Ils choisissent le bon flux d'air, circulent, volent, et ainsi de suite, etc. Les gars ont déjà lancé un véritable et authentique dirigeable de forme cigare, équipé de moteurs électriques et de petits panneaux solaires, mais c'est déjà quelque chose de moderne. Les Français ne montrent absolument ni la production ni la construction, ils ne montrent que des rendus mais ils affirment qu'en 2025-2026, nous ferons décoller un dirigeable entièrement recouvert de panneaux solaires, propulsé par des moteurs électriques, pouvant accueillir 20 personnes, également des touristes. Quelque chose de moderne, oui, mais est-ce qu'ils le réalisent vraiment Pour l'instant, ce n'est pas clair. Cache-t-il cela pour que personne ne puisse le copier Peut-être. Mais le plus souvent, il s'avère que peu importe qui parle des dirigeables, je l'ai fait. La plupart du temps ben, cela n'est pas fait, ceux qui le font le montrent ouvertement. Voici que Brin montre en Chine il montre. Les Africains ont fait je ne sais pas une dizaine de petites choses comme ce que font les africains. Je sais qu'il y a NV5 startup, quelqu'un surveille la ligne de transmission électrique, fabrique de petits appareils et quelqu'un d'autre livre des médicaments. Nous avons aussi de petits modèles dans notre pays mais bien sûr on peut les appeler de petits jouets, on n'ose pas dire que c'est un véhicule dirigeable. Pour l'instant, on peut dire que ce sont en fait des drones avec des charges aérostatiques. Mais quelque chose de sérieux et de moderne, nous ne l'avons pas encore vu. Eh bien, de toute façon, il est évident qu'il y a actuellement un regain d'intérêt pour cela dans le monde. Même sur Internet, de nombreux articles commencent par le fait qu'au début du XXIe siècle, l'intérêt pour le thème des dirigeables a de nouveau été ravivé. Ils ont été exploités et construits au XXe siècle, mais depuis le début du XXIe siècle, il semble que quelque chose ait changé, peut-être des technologies, peut-être certaines tendances dans le monde entier en faveur de l'écologie, et ainsi de suite. Mais le fait est là, et il s'avère que nous commençons notre projet précisément au moment où c'était nécessaire, car nous n'avons pas encore pris de retard par rapport à nos potentiels, tu n'aimes pas ce mot, mais néanmoins concurrents avec qui nous devrons collaborer ou rivaliser dans ce domaine. Et en même temps, nous avons la chance non seulement de les rattraper, mais aussi de les devancer dans bien des aspects. En réalité, nous n'avons personne à rattraper. Nous considérons que nous sommes en avance sur le reste du monde, car c'est fameux. O30 sont identiques à ces appareils allemands qui sont actuellement en service. Ils sont exactement les mêmes que ceux que les Chinois construisent actuellement sauf qu'ils ont été construits dans notre pays entre 2005 et 2008, c'est-à-dire que nous sommes en avance de pratiquement 20 ans. Le seul problème, c'est que nous n'avons rien fait pendant environ ces 20 ans. D'un point de vue pratique, d'un point de vue théorique, en réalité, tout le monde a agi de la même manière, car comme j'ai compris, une fois que l'on s'intéresse au thème des dirigeables, l'idée de dirigeable ne disparaît jamais de l'esprit, et tous les développeurs ont travaillé sur leur concept prometteur. En d'autres termes, tout en travaillant pour gagner sa vie, il y avait toujours ce cercle clandestin de dirigeables où il discutait des idées, faisait des calculs et réfléchissait à ce que serait ce fameux dirigeable. Il ne restait pas inactif et je le répète, il n'y a personne à rattraper, tout le monde va nous rattraper et, et nous allons le démontrer très rapidement. Peux-tu nous parler de ce que nous prévoyons de faire de ce qui est prévu dans le cadre de notre projet, quels actifs pourraient être créés et en général, quels appareils et quand sont prévus pour être lancés dans le ciel. Je vais vous expliquer en détail et précisément dans le cadre de ce projet de crowdfunding et précisément dans le cadre du financement participatif et spécifiquement dans le cadre de l'objectif que la Solar Group fixe pour le projet. En particulier, une société mère sera créée. Tu ne vas pas dessiner Oui, je peux dessiner. Aujourd'hui, nous avons décidé d'essayer de dessiner la présentation à la main. Écrivez-nous si cela vous semble plus pratique et plus clair. Si c'est plus compréhensible, nous le ferons toujours de cette manière. Donc, revenons à ce qui a été dit précédemment à savoir que la Solar Group avait pour objectif de créer une entreprise qui, à partir d'une petite graine, donnerait d'énormes fruits sous forme d'arbres fructueux, cela conditionne toute une industrie et pour que tout cela se réalise, cela sera naturellement créé grâce au financement participatif, ce même mécanisme, et les bénéfices doivent être redistribués aux investisseurs participatifs. Par conséquent, dans le cadre du projet, une société mère sera créée. C'est indéniablement le principal bénéficiaire de tout le processus ultérieur. Elle sera en fait comme une société holding et comprendra déjà en réalité plusieurs directions. C'est une sorte de développement. Le bureau d'études s'occupera du développement. Ensuite, il y aura une production en série. Il est évident qu'il y a un centre de formation, un centre de formation pour préparer des pilotes, des techniciens, etc. Ensuite, il y a une entreprise de construction qui s'occupera de la construction et de l'exploitation des quais, une entreprise d'exploitation qui va acquérir de l'expérience de manière significative dans l'exploitation de ces mêmes appareils grâce à cela et ainsi... Comment appeler cela le département commercial, disons, qui s'occupera de la vente de ces fameux dirigeables et des hangars et bien sûr en collaboration avec des spécialistes de la vente. Le terme spécialiste de la vente sonne un peu faible. On pourrait dire compétence en vente. Tout cela doit converger, c'est-à-dire être sous une seule direction. Et en gros, une société mère est créée avec toute cette structure. Nous allons maintenant la décrire un peu plus précisément plus tard. Pour que le bureau d'études puisse fonctionner, nous avons déjà loué ce bureau. C'est de ce bureau que nous animons le webinaire d'aujourd'hui. Donc, le bureau d'études, c'est d'abord un bureau, c'est une structure juridique. C'est des gens, bien sûr, ce sont d'abord des gens, une équipe. Ce chemin a déjà été parcouru. Tout a déjà été fait. Nous sommes donc dans le bureau. Les gens sont embauchés. Le bureau est meublé. Et ainsi de suite. Ils avaient promis que quelque chose se passerait aujourd'hui sur le plan scientifique et technique. Ils avaient l'intention de le faire lundi, c'est mardi. En gros, demain, il y aura un conseil scientifique et technique concernant l'apparence technique du premier appareil. Cela signifie que cette structure est déjà opérationnelle. Il y a eu de nombreuses propositions concernant ce que sera précisément le premier appareil, et nous en avions déjà discuté auparavant, mais il a été décidé de rassembler tout de même un grand conseil scientifique et technique, de réunir des spécialistes du secteur, non seulement ceux qui travaillent actuellement dans ce bureau d'études, mais aussi des spécialistes d'autres domaines, afin d'avoir un regard extérieur. En général, ce bureau d'études sera chargé dans le cadre de ce projet d'investissement Crowd, du développement de deux appareils, de deux types d'appareils, et donc pour le premier appareil. Ce conseil scientifique et technique aura lieu demain. Je sais déjà à peu près quel type d'appareil ce sera. Ce ne sera pas un jouet comme ceux que beaucoup font, un dirigeable de 8 mètres. Il demande de l'utiliser avec un marqueur plus sombre si possible, car cela peut ne pas être très bien visible. Je pense que ce sera mieux. Bon, je vais le surligner. Société mère. En tant que bureau d'études, nous avons des objectifs clairement définis. Pour l'instant, nous allons continuer à avancer dans cette direction. Ainsi, nous sommes actuellement en train de définir les exigences techniques et l'apparence technique de ce premier appareil. Dans six mois, un deuxième appareil sera disponible ici. Encore une fois, le développement de cet appareil va reprendre. Je les dessine sous une forme classique, mais en réalité, ici, on ne sait pas. Peut-être un hybride. Le premier sera exactement de forme classique, c'est-à-dire une forme en cigare. Avec des précisions sur son allongement et son élargissement, il est probable que les concepteurs garderont cela secret jusqu'à la toute dernière minute, mais nous découvrirons bientôt ses caractéristiques techniques les plus proches. Cela représentera environ 500 kg de capacité de charge et jusqu'à 1000, jusqu 1000 km. Plusieurs, eh bien, il est prévu. Pour l'instant, il y a une discussion. Cela sera certainement un appareil entièrement sans pilote. Dans une version, dans la deuxième version, il sera optionnellement piloté et dans la troisième version, il sera entièrement piloté. Le drone est exclusivement cargo, c'est-à-dire qu'il doit transporter au moins 500 kg sur une distance de 500 km en mode entièrement automatique. Il peut également être piloté si un chargement précieux doit être surveillé, avec une version pilotée pouvant accueillir un ou deux pilotes et jusqu'à cinq personnes. C'est un seul type et taille. Pour que vous compreniez, cela fait environ 40 mètres de long, peut-être un peu plus. En hauteur, nous devons le limiter à 12 mètres. C'est une exigence précise pour que le point le plus haut ne dépasse pas cette mesure. Afin de ne pas avoir à construire des hangars spécifiques pour cet appareil, il doit pouvoir entrer dans n'importe quel hangar aéronautique. C'est une exigence. Il doit entrer dans n'importe quel hangar aéronautique. De plus, il doit être entièrement sans pilote, ce qui n'existe pas encore. Personne n'a fabriqué de tels dirigeables. Eh bien, là, 3, 4, 5, c'est quand nous tiendrons le conseil scientifique et technique. Nous expliquerons un peu plus en détail, mais en général, cet appareil intégrera déjà beaucoup de choses qui n'étaient pas présentes auparavant. En général, pour les appareils, pour tous les dirigeables, la question la plus importante, bien que ce ne soit pas la plus cruciale, mais très délicate, est leur exploitation en milieu terrestre. Beaucoup ont vu ces vidéos où le dirigeable est sorti du hangar, avec de nombreuses personnes qui le tirent par des cordes. Ce sont ces vieilles vidéos, puis ils le lâchent et il s'élève doucement. Dans un dirigeable moderne, il ne devrait naturellement pas y avoir cela. Il doit sortir automatiquement du hangar sans aucune personne à bord, car. En général, le salaire des techniciens, des ingénieurs et de toutes les personnes, y compris le pilote, dans le transport de toute cargaison à l'aide d'un dirigeable, représente presque la moitié de tous les coûts. En éliminant ainsi les personnes de ce processus, c'est-à-dire en rendant l'appareil sans pilote dès sa sortie du hangar, nous réduisons considérablement le coût de transport d'une tonne sur un kilomètre le rendant compétitif par rapport à d'autres solutions logistiques. Donc, oui, il est sans pilote, et c'est sa nouvelle exploitation quasi-terrestre, encore une fois sans participation humaine, en mode automatique. Ce n'est pas une question de robot tenant des cordes, mais il y a en général une belle mécanisation qui peut déjà être mise en œuvre. Tout cela sera démontré et testé sur lui et ensuite ces décisions seront simplement multipliées pour de plus grands appareils, nous découvrirons probablement à quoi cela ressemblera cet grand appareil, certainement plus près du Nouvel An. Un conseil scientifique et technique se tiendra également, et des exigences techniques seront également formulées pour lui, ainsi que ses caractéristiques techniques et son apparence extérieure. Dans le cadre de ce projet, il est prévu de développer ces deux types d'appareils pour ce type d'appareil. Ici, dans l'entreprise de construction, il y a un cahier des charges spécifique pour l'appareil. Un hangar sera construit et ce hangar aura également son propre cahier des charges. L'entreprise de construction, après avoir reçu ce cahier des charges, trouvera des sous-traitants pour ériger le hangar destiné à ce type de dirigeable. Le hangar devra être construit sur un terrain approprié. L'acquisition de ce terrain et la construction de l'hangar sont tous prévus dans le cadre de ce projet. On pensait auparavant qu'il y aurait deux hangars. On a décidé de ne pas le faire. On a décidé de le rendre universel pour entrer dans tout hangar aéronautique existant. Il faudra le faire et c'est obligatoire. Et c'est vraiment génial que nous devions construire notre propre Helling. Tout d'abord, nous avons des actifs sous forme de terrain et de bâtiments. Mais le bâtiment sera également ultra-technologique, car un Helling n'est pas un garage pour dirigeables, un Helling est en réalité un atelier d'assemblage et un atelier de maintenance. C'est-à-dire que des dirigeables seront assemblés à l'intérieur, sortiront de celui-ci et pourront ensuite être exploités dans la rue. Mais comme pour toute machine, il a besoin d'un entretien. Pour effectuer cet entretien, il faut revenir à Helling, apporter l'entretien et sortir. Et Ling, principalement c'est un atelier d'assemblage et il est nécessaire que nous ayons notre propre atelier d'assemblage tout cela sera réalisé dans le cadre encore une fois de ce projet production en série en plus de la conception et de la construction il y a ici un certain nombre de processus techniques critiques et essentiels qui resteront au sein de l'entreprise nous comprenons déjà très bien quels seront ces processus techniques de manière significative. Comment allons-nous les maîtriser Car le dirigeable est un appareil très complexe, avec un nombre infini de pièces, plus que dans une voiture, c'est certain, et il n'a absolument aucun sens de tout produire soi-même. Il y aura une large coopération entre les producteurs, et il est possible de confier le développement de certains composants et agrégats à d'autres. Cependant, pour que personne ne puisse passer par les mêmes entrepreneurs et sous-traitants pour construire un dirigeable, il est évident qu'une partie des technologies critiques sera maîtrisée dans le cadre de notre projet et tout cela sera réalisé. Une partie en LNG et une autre partie pourra être louée dans de petits ateliers situés à proximité. Avec le temps, il sera même possible d'en construire, mais ce n'est pas obligatoire. L'essentiel est de maîtriser le processus technologique. C'est en réalité ce qui compte. Mais certaines choses peuvent être racontées. Et d'autres non. Par exemple, le plus cool, bien sûr, c'est certainement d'apprendre à produire du tissu, parce que celui qui produit le tissu pour dirigeable réalise, même si l'on regarde simplement le volume, un travail considérable. Si l'on achète du tissu à quelqu'un, cela doit naturellement rendre cette entreprise riche, maîtriser son propre tissu. Il est possible et très probable que nous le fassions, en fait, nous allons certainement le faire. La question de savoir lequel de ces appareils nous allons déjà maîtriser et localiser cette production reste ouverte. Mais ceux qui produisent le tissu contrôlent l'état pour la construction. Et heureusement, nous avons déjà des développements, des processus technologiques et des expériences, avec des tissus créés selon nos processus technologiques. Je parle de l'équipe qui a été formée pour ce projet. L'équipe du projet a une solution, et c'est très bien. Le fait que nous l'ayons est important. Car le tissu pour dirigeable est ce qu'il y a de plus précieux. Elle doit être résistante, elle doit être peu coûteuse. Bien sûr, mais quand elle est à nous, elle est peu coûteuse. Quand elle appartient à quelqu'un d'autre, on te dit, n'importe quel prix pour elle, parce qu'il faut construire un dirigeable. Elle doit être imperméable au gaz, résistante aux ultraviolets et plein, plein, plein d'autres choses. Et en général, tout cela n'est pas difficile à réaliser. De plus, dans le cadre du projet, comme je l'ai dit, un centre de formation sera créé. Il y a déjà plusieurs partenaires qui ont établi leur propre centre de formation spécialisé chez nous, dans notre pays, afin de renforcer les compétences locales et de contribuer au développement économique de notre région. Vous pouvez aller et vous former en tant que pilote privé, que ce soit pour un avion ou un hélicoptère. Vous pouvez également vous former en tant que pilote commercial pour voler sur des Boeing et ainsi de suite. Il y avait auparavant certaines écoles qui avaient des licences pour l'aérostation et ces licences ont été annulées récemment. Et récemment, la première école en Russie qui a obtenu une licence pour former des pilotes d'avions, d'hélicoptères, mais aussi de dirigeables. Ils ont commencé à l'obtenir juste avant que nous lancions le projet et nous les connaissions déjà. Nous les avons informés à ce sujet et très probablement ils l'ont obtenu spécialement pour nous, car ils disent qu'ils veulent former des dirigeables dans le pays et nous leur en sommes très reconnaissants pour cela, pour leur existence. Pour leurs compétences nécessaires et surtout pour leur initiative dans ce domaine. Donc, nous avons également un centre de formation dans le cadre du projet. Bien sûr, pour l'entreprise exploitante, parce que. Comment est-il possible de vendre un dirigeable à quelqu'un sans l'avoir exploité, sans avoir acquis d'expérience et sans avoir transféré cette expérience dans des manuels pour le même centre de formation qui doit préparer les pilotes. En gros, il est clair à quoi sert une entreprise d'exploitation. Ce n'est pas seulement pour gagner de l'argent, mais aussi pour acquérir une première expérience en accumulant un certain savoir-faire. Eh bien, naturellement, il y a ce département commercial qui va vendre tout cela, car cela sera produit en série, comme ces premiers dirigeables qui seront, très probablement, fabriqués exclusivement en tant que. Drones sans pilote, ils ont beaucoup de travail. Ce travail se croise avec les aéronefs existants, avec les avions, avec les légers, avec les hélicoptères, avec certains. Mais dans notre pays et dans le monde en général, il y a actuellement une petite crise dans le secteur de l'aviation. Et certains appareils vont bientôt simplement cesser de voler, car leur ressource est presque totalement épuisée. Et donc, ils ne pourront plus fonctionner. Et très bientôt, très rapidement, cet appareil sera remplacé et sera produit en série naturellement. Il sera exploité commercialement, tant au sein de l'entreprise exploitante que vendu, à des parties intéressées, notamment des entreprises de logistique. Et le grand appareil sera également exploité et vendu de manière efficace avec les élévateurs. Quel type d'appareil cela sera-t-il exactement Nous avons une compréhension approximative, ou plutôt, c'est ce point précis à partir duquel nous allons nous déplacer à gauche ou à droite. Mais cela correspond à une capacité de charge d'environ 10 tonnes. Cet appareil sera, dans le cadre du dirigeable, encore petit, mais dans le domaine de la logistique aérienne, c'est déjà un acteur sérieux. Il existe certainement un hélicoptère qui a été produit en masse sur la planète, c'est le Mi-8. Le Mi-8 peut transporter environ 4 tonnes et un marché de charge a déjà été formé pour cela. Environ, approximativement. Eh bien, la logistique est mise en place pour cela. Cet appareil aura un coût de revient similaire à celui d'un Mi-8, voire peut-être moins cher. Transporter deux fois plus et trois fois plus loin et quatre fois moins cher. Et nous pensons, et nous supposons que ces types d'appareils seront probablement les plus souvent produits en série, avec une très bonne marge bénéficiaire sur leur vente, ce qui est très avantageux. Et donc, dans le cadre de ce projet, nous devons maîtriser la production en série de ces appareils, construire au moins un, de préférence deux, hangars dans lesquels de grands appareils seront justement produits en série. Et pour tout cela, en effet, Pavel Igorevitch. Combien d'argent et de temps nous faut-il, cher Pavel Voici cet appareil, exactement, précisément. Oui, dis-moi en termes de temps, quand, par exemple, avec un financement suffisant, il sera possible de faire décoller le premier dirigeable et les appareils suivants. Le tout premier appareil sera sans aucun doute mis en l'air dans un délai de moins d'un an, assurément. Nous commencerons probablement à le produire en série dans environ deux ans, nous espérons. Car produire et faire voler l'appareil, c'est bien, mais obtenir le certificat et la licence pour la production en série, ce qui est un processus complexe et long, prend tout de même du temps. Nous devrions être en mesure de lever un grand appareil tel qu'un avion ou un autre type de machine complexe dans un délai d'environ 3 à 3 ans et demi. Ce processus implique plusieurs étapes cruciales, y compris la conception, le développement et les tests rigoureux pour garantir la sécurité et l'efficacité. En moyenne, on peut déjà envisager une certaine série de production dans environ 4 ans. C'est donc un délai total d'environ 3 ans et demi à 4 ans en tenant compte des imprévus et des ajustements nécessaires. C'est ce dans quoi nous allons essayer de nous conformer en fait en termes de temps. Au fait, les amis, pourriez-vous écrire si la vidéo fonctionne bien chez vous J'ai l'impression que parfois ça bug. Dites-moi si c'est fluide, pas fluide, bien ou mal. Pour moi, ça fonctionne normalement. Normalement, n'est-ce pas Tu regardes V Contact, moi YouTube. Écrivez où vous regardez. Dites-nous si la qualité est bonne. N'oubliez pas de mettre des likes et de partager. C'est toujours approprié. J'ai tout ça sur mon ordinateur au cas où... Regarde, ces dispositifs stratosphériques font-ils partie de ce projet Et qu'est-ce que c'est au juste Regarde. Dans le cadre de ce projet, tout est en fait là. On parle d'un délai de 3,5 à 4 ans, mais on peut l'étendre jusqu'à 5 ans. Bien sûr, ce n'est pas souhaitable. C'est la création de ce modèle commercial durable lorsque celui-ci atteint l'autosuffisance, qu'il devient déjà rentable, qu'il peut se développer davantage à ses propres frais et qu'il peut verser des dividendes. De plus, il est naturel qu'elle puisse s'étendre, comme toute entreprise, à tirer des fonds, mais ce ne sera plus nécessaire. C'est-à-dire que la production en série et la vente de deux types de dispositifs, ayant son propre terrain, hangar, centre de formation et entreprise d'exploitation, constitue cette unité commerciale qui a pris son envol et a commencé à fonctionner et il est évident que pendant que nous construirons le premier dispositif, le deuxième dispositif, nous posons déjà les bases d'une série de dispositifs ultérieurs, que ce soit 40 tonnes conditionnellement, 100 ou 200, ce sont aussi des dispositifs stratosphériques et tous seront développés en parallèle mais en parallèle jusqu'à quel point... Si aujourd'hui commence le développement du premier dispositif, celui-ci alors, après un certain temps, disons trois mois, le développement de ce dispositif commencera en parallèle. Probablement six mois après le lancement, le développement du troisième dispositif stratosphérique commencera ici, mais il ne sera pas une grande priorité, ni en termes de ressources, ni d'attention, car il faut d'abord terminer celui-ci et celui-là, et naturellement, le travail sur les dispositifs stratosphériques a déjà commencé. En parallèle, il est impossible d'arrêter le flot de pensée. On pense à une chose, une idée arrive sur une autre, et le travail sur la stratosphère a déjà commencé et est en cours. Il y a déjà ces mêmes développements des airships de l'underground où ils ont travaillé ensemble pendant 20 ans sur leurs projets. Donc tous les projets stratosphériques seront lancés, en quelque sorte, en parallèle mais nous ne collectons des financements que pour cette unité commerciale spécifique. Le reste se fait également de manière plus ou moins initiative, avec des dépenses très faibles, dans le contexte de la création de la production en série de cet appareil, de cet appareil Dialing, en général et de manière générale. Mais ces développements conditionnels, même des lancements de dispositifs stratosphériques dans un avenir proche, tout cela unité de pourcentage du budget total, mais tout est prévu, oui, naturellement. Eh bien, si l'on parle du budget global et que l'on passe, disons, aux chiffres financiers pour réaliser ce dont Fedor a parlé, il faut trois ans, ou comme l'a dit Fedor, ce n'est pas souhaitable, mais théoriquement possible jusqu'à cinq ans. Nous avons initialement positionné cela comme un délai de trois à cinq ans pour la mise en œuvre de ce plan. Pour sa réalisation, un montant de 100 millions de dollars est nécessaire que nous prévoyons de lever dans ce délai. En échange de cet investissement, 49% de la société créée sera transférée aux investisseurs privés qui soutiendront le projet. C'est dans le bureau où nous nous trouvons aujourd'hui avec Fiodor que nous réalisons cette diffusion. Comme vous le comprenez en effet, le crowdfunding se différencie distinctement du crowd investing principalement par le fait que en général, les personnes qui soutiennent collectivement une certaine direction ne font pas de dons. Ici, tout fonctionne de cette manière. Nous avons de l'investissement, c'est-à-dire que ce que vous faites est un investissement et donc vous obtenez une part dans l'entreprise en cours de création. À ce jour, en utilisant notre plateforme d'investissement, vous pouvez investir le montant que vous jugez juste et acceptable pour vous, en toute sécurité et sans souci. L'investissement moyen à ce jour est d'environ 2000 dollars. En échange, vous recevrez des parts d'investissement qui sont des droits de créance que vous avez directement sur la société Nova. En moyenne, cela représente à peu près un engagement financier significatif. Et après la fin du financement, ces parts que vous acquérez aujourd'hui vous donnent en plus la possibilité de les échanger éventuellement contre des actions de la société Nova et de devenir un copropriétaire à part entière de cette entreprise et actionnaire de manière significative. Pacha dit que Nova est la société mère qui comprendra des développeurs, des fabricants en série, des exploitants et des ventes de dispositifs stratosphériques. Développement externe, nous avons une compréhension des grands acteurs pour lesquels... Et probablement à quel moment nous commencerons à développer des appareils spéciaux à leur demande Ce seront déjà de grands appareils exécutant des missions spéciales, comme pour par exemple Rosatom ou Roscosmos. Ou là, chez Gazprom, il y a de telles compréhensions et ils viendront, pour le dire simplement, en achetant le développement, la production, la construction de leur propre quai et la préparation de l'équipe. Naturellement, le paiement de tout cela inclura des bénéfices. Et même les bénéfices provenant de tels projets d'envergure seront toujours dirigés vers la société mère, et la moitié de ces bénéfices, c'est-à-dire 49%, sera retournée aux investisseurs, ce qui correspond aux dividendes sur les parts que vous pouvez acquérir. Non seulement la production en série de ces deux dispositifs stratosphériques est en cours, mais également la production et la vente de tout ce qui pourrait être développé à l'avenir. Tout cela sera concentré ici en tant que profits et développement. Même le centre de formation sera également une structure commerciale qui formera des pilotes de dirigeables. Il est clair que nous formerons nos propres pilotes de dirigeables à nos frais, mais les personnes extérieures qui souhaitent apprendre à piloter l'appareil, devenir techniciens, mécaniciens, etc. Cela relève déjà d'une structure commerciale qui commencera à générer des bénéfices, et une entreprise extérieure doit former sa nouvelle équipe à la gestion de cet appareil. Par exemple, il s'agit d'une compagnie aérienne qui possède des hélicoptères, des avions et maintenant des dirigeables. Ils doivent, tout d'abord, former le personnel. Et ensuite, suivre des reconversions, et ainsi de suite. Et cette unité rapporte de l'argent, donc la société mère gagne argent, en gros, essentiellement pour toute l'industrie. Que nous prévoyons de construire, de mettre en place des rails commerciaux, tous les bénéfices iront à la société mère, et il est maintenant possible, de manière significative, d'acquérir une part de cette société mère via Internet, et ce, en ligne. Fondamentalement, c'est une opportunité unique. Oui, et c'est seulement le premier pas, n'est-ce pas? C'est le premier pas dans le développement de cette entreprise. En gros, comme l'a dit Fiodor, nous attirons des investissements pour créer cette entreprise rentable qui pourra non seulement se maintenir à flot, mais aussi générer des bénéfices, les partager avec les investisseurs et en garder une partie pour nous. Et à quoi sert le profit des entreprises en développement? Avant tout, toute entreprise en forte croissance réinvestit constamment ce profit en elle-même. Et il y a déjà une compréhension claire de l'endroit où l'entreprise doit se rendre dans 5 à 10 ans. Et cette voie, l'entreprise la suivra sans attirer de financement supplémentaire, sauf s'il y a une certaine compréhension que cela pourrait sérieusement accélérer les processus. De plus, ces investissements ne seront pas attirés vers cette société mère. C'est-à-dire que vous avez d'intégrer la société principale qui recevra des bénéfices de tous les secteurs d'activité, tout en développant un secteur d'activité distinct, comme la création d'un nouvel airship de 20 tonnes ou d'un airship stratosphérique. Là, une nouvelle entreprise sera créée et elle pourra attirer des financements à sa manière. Vous n'allez pas participer directement, mais vous contribuez au développement de l'entreprise, vous êtes copropriétaire, donc tout cela vous intéresse au plus haut point. Oui, nous avons certainement envisagé la possibilité qu'un grand acteur arrive et apporte un certain capital, éventuellement pour la conception, par exemple, d'un grand appareil, potentiellement... Naturellement, il y a une part de bénéfice, une part de bénéfice qui va à la société mère, donc à vous, c'est ce que Pavel voulait dire. En ce qui concerne le développement futur et les perspectives, tous les analystes compétents et expérimentés s'accordent unanimement à dire qu'à partir d'une capacité de charge impressionnante de 100 à 200 tonnes, il serait hautement souhaitable de construire au moins une centaine de dispositifs innovants et efficaces. La société visionnaire qui sera la première à le faire deviendra sans aucun doute la plus rentable au monde car elle offrira cette fameuse et stratégique route de la soie aérienne grâce à des dispositifs de pointe. Et notre entreprise vise naturellement cela, et nous avons certainement toutes les chances de complètement occuper cette niche, car jusqu'à présent, personne n'a même laissé entendre qu'il aspirait à cela. Nous pouvons donc, à notre avis, sans aucun doute, vraiment, en toute honnêteté, devenir la plus grande entreprise de la planète. D'une part, c'est vrai, d'autre part, nous avons actuellement aussi la capitalisation de l'entreprise. Nous ne sommes pas encore décidés, si j'ai bien compris, sur quelle bourse spécifique nous pourrons nous introduire, nous capitaliser, et ainsi de suite. Mais il n'est pas nécessaire d'avoir une escadrille de dirigeables de fret. Il suffit de lancer quelques ballons pour que la valeur de votre entreprise s'envole également dans la stratosphère. Donc nous allons pousser ce marché sous tous ses angles, tant en termes de capitalisation que de rentabilité. Eh bien, en gros, celui qui sera le premier sur la planète à lancer un tel nombre de dirigeables deviendra certainement le dirigeabliste, et il est fort probable que ce soit nous. Donc, je salue tout le monde. Oui, et la rapidité avec laquelle cela se produira dépend de vous, y compris des personnes qui regardent ce webinaire aujourd'hui. Eh bien, quand nous réfléchissons à quel point ce serait merveilleux d'avoir des dizaines de nos propres dirigeables, et pas seulement les nôtres, mais aussi à vendre, etc., je me rappelle toujours de cette entreprise Zeppelin, oui, dont le souvenir que j'ai acquis en faisant un tour en dirigeable me revient à l'esprit. Je me souviens de cette entreprise qui gagne plus de 100 millions d'euros par an avec seulement deux dirigeables en exploitation, chacun effectuant 12 vols par jour avec des passagers, et en plus, certains dirigeables, ils les vendent parfois et ils se portent très bien. Donc ce business est rentable même si l'on met de côté tous les rêves de leadership mondial. C'est tout simplement une bonne affaire rentable même avec un petit nombre de dispositifs. Il est donc plus que possible et même certainement absolument vraiment possible de gagner de l'argent ici. Et l'équipe s'en occupe. En ce qui concerne les avantages pour l'investisseur, j'ai en gros déjà dit l'essentiel. Aujourd'hui, vous pouvez investir dans le projet et recevoir une part de l'entreprise en cours de création. Le financement est prévu pour environ 3 à environ 5 ans et il sera réparti en ce que l'on appelle ou bien parfois appelé des étapes de financement. À chaque étape, des tâches spécifiques sont résolues, un certain volume d'investissement est mobilisé et nous passons à l'étape suivante ou comme on l'appelle maintenant dans le monde de l'investissement, un tour d'investissement. Nous avons prévu un total de 20 étapes ou tours et nous ne sommes même pas à la toute première étape, nous sommes à la toute phase zéro, à la toute phase préliminaire, à celle où nous formons ce projet ensemble avec vous tous, tous ensemble. Des choses fondamentales se décident sous vos yeux, alors que quelque part d'autres choses peuvent changer, mais la direction reste celle qui a été initialement annoncée, bien sûr. Nous comprenons qu'à ce stade, les gens ont beaucoup de questions. Et il n'est pas toujours possible de donner une réponse précise à certaines d'entre elles. Et donc, pour l'investisseur qui investit maintenant, c'est le risque maximal dans le cadre de ce projet. De tels risques d'investissement ne seront présents ni au 5e ni au dixième stade, et encore moins dans 2-3 ans, ainsi, pour remercier les personnes qui soutiennent déjà activement le projet aujourd'hui. Les meilleures et plus avantageuses conditions d'investissement leur sont généreusement offertes. À savoir précisément les conditions de cette phase préliminaire zéro, où vous pouvez facilement acquérir des parts dans le projet au prix le plus bas. À ce prix, il ne sera jamais possible d'en acquérir davantage. De plus, ces paquets ne pourront pas être augmentés. Il ne sera rien possible de faire avec eux, pas même d'en acheter d'autres, même si vous avez des conditions en tant que membre du club 100, qui bénéficient de conditions d'investissement privilégiées. Même dans ce cas, ces paquets de prélancement ne sont disponibles que maintenant. Alors, si vous aimez vraiment le projet, si vous rêvez absolument de voir des dirigeables s'envoler à nouveau dans le ciel de Russie, et ce en grande quantité et en grand nombre, vous pouvez maintenant mettre la main à la patte et tirer sans aucun doute le meilleur parti de cette action. Les paquets d'investissement, les conditions de financement, tout cela, vous pouvez le trouver dans votre espace personnel, dans la section Investissement. Étudiez, lisez, si vous avez des questions, vous pouvez toujours les poser au support, ou bien écrivez ici dans le webinaire, nous vous parlerons de tout cela. Très bientôt, très prochainement, nous sommes déjà en train de prévoir un changement significatif d'étape d'investissement, et nous allons faire un bilan complet de l'étape actuelle de financement, mais un peu plus rapidement. Nous pourrons faire une évaluation détaillée et complète de notre projet en détail au cours des deux derniers mois. Et donc, profitant de l'occasion, je souhaite vous inviter à notre webinaire du Groupe Solar qui aura lieu demain, mercredi, à 19h, heure de Moscou. Nous parlerons là-bas des résultats globaux de l'entreprise Groupe Solar, du projet Sovolmash et du projet dirigeable de nouvelle génération. Venez si vous souhaitez être informé et découvrir quelles étapes concrètes ont été mises en œuvre dans le cadre de nos projets. Eh bien maintenant, je pense qu'il est temps de passer aux questions. Commençons. On peut commencer par les questions sur V Contact. Nous allons regarder les questions sur la chaîne dirigeable de nouvelle génération et sur les questions de la diffusion. V Contact, également dans le groupe officiel. Donc, vous pouvez les écrire dès maintenant. Si vous ne l'avez pas encore fait, nous commencerons par le haut et descendrons. Ah, et si vous nous regardez sur la chaîne du groupe Solar, nous y jetterons aussi un coup d'œil. Mais les principales diffusions se font sur V-Contact et sur la chaîne officielle, YouTube. Alors, que diriez-vous de commencer par le haut Alexei demande si vous allez répéter la même chose chaque semaine, juste pour maintenir le buzz, évidemment. Ici, il faut, comme dans Sovolmash, lancer de courtes vidéos-reportages et pas seulement répéter la même chose. Alexei, regardez d'abord, clarifions. Mardi, nous répétons vraiment la même chose, car mardi, nous avons en général une présentation pour les nouveaux, pour ceux qui ne connaissent pas encore le projet. Donc, si vous en avez, amenez-les mardi. Si quelqu'un vous demande des informations sur le projet, que faire Vous pouvez simplement dire Va au webinaire mardi, la personne viendra, nous vous expliquerons tout. Jeudi. Enfin, pour nous, c'est soit jeudi soit vendredi. Je pense que nous allons bientôt nous arrêter sur un jour, car nous avons un webinaire d'actualité de manière régulière. Là-bas, ce n'est pas la même chose. Nous faisons un rapport sur ce qui a été fait récemment. Nous répondons à vos questions, donc l'information est différente. En ce qui concerne le fait qu'il faut des vidéos courtes chaque semaine, vous devez comprendre que le bureau est en train de se remplir de nouveaux employés. L'équipe se forme. Il y a encore des problèmes avec l'Internet au bureau et le mobilier est en cours de livraison, donc tout ne peut pas être fait immédiatement. Déjà, en espérant que nous avons trouvé la personne qui s'occupera du contenu vidéo ici sur place, j'espère qu'il sera bientôt avec nous dans l'équipe, donc dès que cela se produira, les vidéos, comme vous l'avez dit, commenceront à sortir régulièrement. Oui, notre tâche est de créer une sorte de série, et une fois par semaine, un opérateur vivra directement au bureau, se rendant avec nous à toutes les réunions pour tout enregistrer. Évidemment, il coupera certains moments qui ne doivent pas être divulgués ou publiés, mais dans l'ensemble, ce sera un contenu en direct que nous publierons chaque semaine avec un épisode sur ce qui s'est passé. Il suffit d'attendre un peu, un peu de patience, et tout ira bien. Igor écrit et dit que nous sommes des gars risqués, que nous avons lancé le direct après qu'un sondage a eu lieu sur Telegram concernant une éventuelle augmentation des tarifs pour les transferts d'argent vers les projets. Comment commentez-vous cette situation vous-même Igor, nous n'avons peur d'aucune question, donc peu importe les sondages qui se déroulent sur Telegram, nous resterons en direct avec vous. Pour commenter, pour ceux qui ne le savent peut-être pas, un sondage a été réalisé sur la façon dont les investisseurs réagiraient à une éventuelle augmentation des frais dans leur espace personnel. Nous vous avons honnêtement parlé de la situation actuelle dans le monde, qui n'est un secret pour personne. Vous savez que les transactions monétaires augmentent dans le monde entier et de plus en plus d'argent est dépensé, d'une manière ou d'une autre, en commission pour les prestataires que nous utilisons. C'est tout à fait normal. Tout le monde paie des commissions, même l'épicerie, nous le faisons aussi. Mais nous avons des commissions plus élevées. Vous savez que nous travaillons dans différents pays avec différentes devises. Tout cela a un impact sur le coût des transactions monétaires. C'est pourquoi nous avons décidé de soumettre le projet Narodny à un vote général. Regardez, écrivez votre avis. Êtes-vous prêt en tant qu'investisseur à prendre une petite partie des coûts afin que plus d'argent parvienne au projet et puisse être utilisé pour les besoins du projet Parce que quelle est la situation ici Certains disent ⁇ ça nous est égal ⁇ vous avez un budget, vous mettez votre budget, vos commissions. Mais vous devez comprendre que l'argent peut toujours être dépensé de différentes manières. On peut organiser un webinaire génial ou on peut simplement payer de l'argent pour une transaction quelconque. Si un investisseur est prêt, par exemple, à prendre 1% de commission, alors il paiera 100 roubles ou 101 roubles. Pour une personne en particulier, cela passe en principe inaperçu. En revanche, pour nous, c'est très visible, car les volumes d'argent sont très importants. C'est pourquoi nous avons décidé de soulever cette question. Elle est en discussion si vous le souhaitez. Vous pouvez vous joindre à cette question. Alors, quand est le tirage au sort de Tolstoï C'est une question pour Andréi, je vais lui demander. Je sais que c'est dans deux semaines, cela fait justement deux semaines. Ainsi, en ce qui concerne l'utilisation des dirigeables, un bunker nucléaire pour survivre à un apocalypse nucléaire. Seulement vendre l'euro. Plus cher à l'Amérique, oui. Ne code pas avec le peuple. Il est moins cher pour le peuple, oui. Il y a cette idée qui flotte dans l'esprit de beaucoup, que, si jamais il y a cette fameuse hiver nucléaire, que ce soit à Yellowstone ou lors d'une troisième guerre mondiale, tout le monde semble l'attendre et espérer la traverser sous terre. Cependant, être dans un bunker profondément sous terre n'est pas aussi agréable que de s'élever au-dessus de toute cette cendre dans des dirigeables, de créer des jardins, de respirer de l'air frais, de regarder le soleil, car là-bas il n'y en a pas, c'est l'obscurité totale. Oui, l'idée flotte dans l'air, et pas seulement parmi le peuple, en fait, en gros, chez tout le monde. Je ne dirai pas honnêtement, même jusqu'à une demande aussi directe que ⁇ voici de l'argent ⁇ Construisez-moi un tel dirigeable. Cela n'est pas encore arrivé, mais des discussions ont déjà eu lieu. Les personnes disposant de capitaux suffisamment importants réfléchissent à cela et disent que si c'est possible, il faut le faire. C'est une arche, n'est-ce pas Eh bien oui, arche perso. Tout le monde veut une arche perso, un bunker. Généralement, c'est possible. Il n'y a aucune restriction. Là, il y a le fait que c'est du carburant, mais ce sont des panneaux solaires. L'eau doit être extraite des nuages au-dessus de cette nouvelle cendre, des petites tâches à accomplir. Tout est probablement résoluble, mais je ne voudrais probablement pas de ce même hiver nucléaire. Mais oui, après tout, si cela n'est pas fait par des gens, cela pourrait être géré par le même Yellowstone, donc on peut se préparer à tout, et oui, c'est beaucoup plus agréable, et oui, on peut certainement en tirer profit. Allons-nous le faire Nous le saurons. J'espère que je n'aurai pas à m'en occuper. Comme on dit souvent, on peut vraiment beaucoup gagner sur les paniqueurs étrangers. Pourquoi pas Combien peut coûter environ une dérive initiale de 500 kg Combien cela peut-il coûter Nous n'avons pas encore calculé en détail le coût de production en série de ce projet, y compris tous les salaires, les loyers des locaux, les entrepreneurs et les sous-traitants ainsi que tous les coûts associés et les dépenses imprévues. Nous avons déjà une estimation pour cet appareil, et le coût total du projet expérimental est toujours plusieurs fois plus élevé que celui d'un modèle de série. Pour cet appareil, pas pour celui-ci, pas pour l'atelier, mais simplement pour créer un tel appareil, nous avons un coût équivalent à celui d'une bonne Rolls-Royce. Est-ce que le coût est comparable à celui d'une Rolls-Royce De manière exhaustive et minutieuse, nous devons considérer tous les frais généraux et les coûts indirects pour chaque étape de la production et de la conception de cet appareil de manière précise et détaillée. Eh bien, ce n'est pas du tout un modèle de série, c'est expérimental. Cela signifie que le modèle de série sera beaucoup plus cher et qu'il est probable que son coût de production nous surprendra agréablement tous. Et il sera un appareil aussi accessible que possible. Et je veux le rendre ainsi. Parce que, oui, je l'ai déjà dit une fois, je peux le redire, chez les dirigeables. Il existe depuis longtemps une sorte de règle tacite. Le volume d'un dirigeable de 1000 mètres cubes équivaut à environ un million de dollars. Tu veux un dirigeable de 2000 mètres cubes, voilà 2 millions de dollars, c'est donc ce que ça te coûtera. Tu en veux un de 1000 mètres cubes, c'est clair, 10 millions de dollars. Et cette structure de prix n'est en aucun cas liée, certainement, au coût de sa production. Et le coût de sa production, en tenant compte de la localisation géographique spécifique, par exemple, l'acquisition et la gestion de la production du même tissu, des composites avancés, des transmissions sophistiquées, du revêtement d'hôtes spécialisés, du système de gestion intégré, etc., sera, disons, le coût total des matériaux. Donc ce sera extrêmement bon marché et très efficace pour une grande série ou pour une production de masse. Sinon, il faudra complètement casser le système existant pour construire du nouveau. Alexandre, qui a posé cette question intéressante, a mentionné un budget estimé de 10 à 15 millions de dollars, mais je pense personnellement que Rolls-Royce est beaucoup moins cher. Irina demande, tu as dit à tes dirigeables ce que tu voulais dire Former nos pilotes de dirigeables. C'est probablement ce que j'ai dit, c'est-à-dire que nous avons besoin de pilotes pour les dirigeables. Exactement comme ceci, si nous construisons des dirigeables optionnellement pilotés, il y aura plusieurs versions et quelqu'un devra les piloter. Actuellement, il y a quelques pilotes qui ont un certificat leur permettant de piloter un dirigeable, mais on peut les compter sur les doigts d'une main. Nous devons naturellement les préserver et préparer leur relève, car tout le monde vieillit et notre flotte ne fera que se développer. Il est évident qu'il faut des pilotes de dirigeables pour d'une part tester les prototypes expérimentaux et d'autre part travailler avec la même entreprise d'exploitation. D'abord, il faut tester les prototypes de l'usine, puis l'expérimental lors de la délivrance de la licence. Et enfin, lors de son exploitation commerciale, quelqu'un doit s'en occuper et bien sûr, il y aura des dirigeables. Comment les dirigeables peuvent-ils participer aux actions militaires Il est préférable de ne pas prendre part activement aux actions militaires, car notre projet est international et de manière proactive. Cependant, en tant que mesure de que keep keep, protection, le dirigeable pourrait par exemple Soulever quelques petits dirigeables capables de porter des radars au-dessus des villes pour simplement surveiller et assurer la sécurité civile, car nous savons que tout le monde constate que sur la planète, les drones, en particulier les quadricoptères, se développent rapidement et de manière inquiétante et sont souvent équipés de munitions, d'explosifs, etc. Ce ne sont pas nécessairement des actions militaires, des actions terroristes, ce sont. Aussi des bandits, n'importe qui peut déjà utiliser de telles technologies pour surveiller ceux qui volent. Et par exemple, Dieu nous en préserve, on peut ou bien utiliser des dirigeables. Je pense que l'application est en fait illimitée. Oui, les militaires trouveront immédiatement où les utiliser. La seule chose, c'est que je n'ai pas envie de m'en mêler. Ainsi, il peut être un porteur de drone, s'il vous plaît car le drone a actuellement des limitations en termes de portée de vol, et ainsi de suite, ainsi que de hauteur, et une multitude en gros de restrictions. Le dirigeable de nouvelle génération peut être rempli d'un nombre infini de ces drones, les transportant à une très grande hauteur, selon l'altitude pour laquelle il a été conçu, que ce soit à 5 km, 6 km, peu importe, même à 10 km ou en stratosphère, et de ce dirigeable, ces drones peuvent se disperser. Là, l'imagination n'a aucune limite. D'ailleurs, je ne sais pas si on peut en parler ou pas, mais tu te souviens, on nous avait parlé des dirigeables que le PVO devait aider. C'était un genre de chasseur avec un filet. Eh bien, c'est déjà une application complètement archaïque. Oui, même au point que sur de tels drones au-dessus des objets, par exemple dans les entreprises pétrolières et gazières, on tend des filets pour attraper ces drones kamikazes qui volent avec des explosifs. Alors, avec qui peut-on se contacter pour les conditions d'obtention des bonus partenaires avec la structure existante Allez, Igor, vous pouvez me contacter. Vous pouvez m'écrire sur Telegram. Je suis dans le chat sur les dirigeables. Ou vous pouvez contacter le support technique. Ils vous transmettront mon numéro ou mon Telegram. Vous pouvez me contacter. Vous pouvez également demander les coordonnées de Sergei Shevchenko le responsable du programme de partenariat. Vous pouvez également discuter avec lui. Nous sommes tous disponibles selon votre choix. Alors, quelle est la différence entre les dirigeables, les hélicoptères et les avions Ah, les dirigeables, les hélicoptères et les avions, vitesse, distance, capacité de charge. Eh bien, le dirigeable peut rivaliser avec les hélicoptères en termes de vitesse. Il peut rivaliser en distance, enfin, en gros. Il va beaucoup plus loin que les hélicoptères, mais il est plus lent que les avions. En termes de coût et de capacité de charge, les dirigeables transporteront beaucoup plus que les hélicoptères. Nous avons ici les avions les plus chargés de la planète, et il est peu probable que nous construisions des avions ayant une capacité de charge supérieure. Eh bien, toute l'ingénierie dans son ensemble est orientée là. Nous pouvons construire des dirigeables, ils seront beaucoup plus grands, mais le plus important, c'est qu'ils le font à moindre coût. En d'autres termes, il est économiquement plus efficace de transporter des dirigeables que par avion, et encore moins par hélicoptère. L'hélicoptère est le plus cher là-bas, mais l'avion est moins cher. Il est économiquement plus efficace de le transporter par dirigeable, mais il semble que ce soit plus lent. Cependant, les dirigeables ont tout de même cet avantage. Il peut récupérer la cargaison à l'usine du fabricant et l'emmener directement soit à l'entrepôt, soit au consommateur, où qu'il le souhaite. Et si c'est plus lent, il semblerait que pour transporter une cargaison par avion, vous devez d'abord la charger sur un camion, puis la transférer sur un train, et enfin, conditionnellement, sur le même avion. Et avec les transbordements de marchandises, il est probable que le dirigeable les transportera. Il y aura un tronçon de route où l'avion passera vite, mais si c'est de porte à porte comme le fera un dirigeable, il est probable qu'il devance l'avion. Parce qu'il n'a pas besoin d'une base aéroportuaire, il peut décoller de n'importe quelle surface libre, même du toit d'un bâtiment. Et toutes les technologies seront naturellement testées en commençant par ce drone, notamment... Il est donc relativement petit. Ainsi, si l'on compare le dirigeable à un avion et à un hélicoptère, d'une part, il peut transporter une cargaison d'un point A à un point B sans avoir besoin d'infrastructure et le faire de manière considérablement moins coûteuse qu'un hélicoptère ou un avion. Par exemple, l'hélicoptère ne pourra même pas atteindre ce point B en comparaison. Ceci est également un avantage important. Mais il n'aura pas la portée suffisante un dirigeable suffira un avion, même s'il y arrive plus vite, ne pourra pas atterrir là-bas alors qu'un dirigeable le pourra. De plus, il fera tout de manière économiquement plus efficace, c'est-à-dire moins cher. Et, ce qui est le plus intéressant, c'est que le dirigeable est reconnu comme étant plus sûr. Tout récemment, un conseil scientifique et technique a eu lieu dans notre ministère de la Défense, et il y a cette solution qui dit que parmi tous les moyens de transport aérien, le dirigeable est le plus sûr. Eh bien, écoute, ils ont dit ça. Donc... Mais c'est naturel, si un hélicoptère a une panne de moteur, il tombe comme une pierre, si un avion a une panne de moteur et qu'il a encore suffisamment de vitesse, il peut planer selon une certaine trajectoire, se posant la question de savoir où il va atterrir, s'il atteindra un terrain dégagé ou une forêt, de l'eau, ce sera un problème. Si le dirigeable tombe en panne, il restera simplement suspendu dans les airs. Mais, il va sans dire, il est probable qu'ils soient tous un peu trop lourds, donc oui, il y aura un crash. Et à peu près à cette vitesse comme je le montre. Il y a de la panique à bord, nous tombons, mais naturellement, personne ne tombe vraiment. En gros, c'est sûr et bon marché. Il a été comparé à une certaine taille, plus il est grand, moins c'est cher, 1 tonne par 1 km. À partir d'une certaine taille, nous pourrons exactement calculer à partir de laquelle, disons, pour les mêmes 100-200 tonnes, il sera économiquement équivalent au transport maritime. Le transport maritime est le moyen de transport le moins cher sur la planète pour le transport de marchandises, c'est-à-dire que cela se mesure en tonnes. En gros, il y a des trains, des camions, des avions, des hélicoptères, mais l'hélicoptère est de loin le plus cher, alors que le dirigeable sera le moins cher. Donc voilà, c'est comme ça. Si on compare, c'est l'économie, la sécurité, la portée et donc du point A au point B, ce qui est très important, même si l'avion ou l'hélicoptère vole plus vite, tant que tu es occupé à charger quelque chose, à transporter vers l'avion, en gros les transbordements et ainsi de suite. Le dirigeable a déjà depuis longtemps tout transporté lentement mais sûrement. Et pendant que tu répondais, tu as justement abordé la question suivante, à savoir si les drones ne sont pas dangereux pour le dirigeable. Je t'ai justement dit que même s'il y a une perforation quelconque, eh bien les perforations et autres en réalité les drones représentent globalement un danger. Ils représentent un danger pour tout, pour l'usine, pour un bâtiment, pour une voiture, pour un avion, pour un hélicoptère et bien sûr pour le dirigeable. Et je pense que dans les prochaines décennies, cela représente un défi sérieux pour tous les services de sécurité, des civils aux militaires, des systèmes anti-drones. Ils seront installés sur l'appareil. Peut-être même que quelque chose de développé sera unique dans le cadre de la création de cet appareil. Nous devrons tous nous défendre et protéger nos biens, qu'ils soient mobiliers ou immobiliers, y compris les dirigeables et les drones, qui sont certainement dangereux pour tout le monde. Alors, que devrions-nous faire pour nous sécuriser C'est en effet une question que j'ai peut-être manquée aujourd'hui. Il y avait une question financière. Combien de fonds sont prévus pour être collectés avant le lancement Sergei, à l'heure actuelle, vous vous souvenez qu'au départ, c'était un montant de 2,5 millions, puis il a été réduit à 1 million. Je pense que nous pourrons dire exactement quelle sera cette somme précise après mercredi, c'est-à-dire après demain. Pourquoi Parce que Fedor a déjà dit que demain, il y aura un conseil scientifique et technique où l'apparence et le design du premier dirigeable de nouvelle génération seront discutés. À ce moment-là, il sera possible de dire étape par étape quels moyens seront nécessaires et quand pour les projets, et il sera donc beaucoup plus facile de déterminer quand et combien d'argent sera nécessaire. Il est nécessaire, du moins jusqu'à ce que cet appareil soit élevé dans le ciel, et je pense que nous l'annoncerons officiellement. Alors, j'ai un peu écouté l'antidoxe sur l'informaticien, c'était à propos du pré-lancement, n'est-ce pas Oui, oui. Combien d'argent y a-t-il avant le lancement pour que ce soit clair, j'ai répondu pour que ce soit clair, pourquoi nous avons d'abord parlé de 2,5, puis d'un million, maintenant les gens demandent si c'est vraiment un million, et je dis que demain sera un jour charnière important, après lequel nous pourrons vraiment nous appuyer sur un plan concret étape par étape. En fait, la phase zéro est celle des risques maximaux. Les risques maximaux, c'est que nous n'avions pas d'entreprise, pas de bureau, les gens n'étaient pas formés. Nous comprenions bien sûr que nous allions construire un dirigeable, mais ce que nous avions exactement n'était pas encore convenu. Et tous ces risques, une fois que nous aurons résolu toutes ces tâches, et levé tous ces risques, en gros, la phase 0 peut être remplacée par la première. Est-ce lié d'une manière ou d'une autre à la somme de 1, 2,5 ou combien de millions de dollars Peu probable. On peut dire, comment dire, que la phase 0 est en fait clôturée, on a rassemblé tant pour la phase 0 et faire un bilan. On peut aussi faire comme ça. Eh bien, on peut dire ça, oui. La question est de savoir s'il y a une compréhension précise, ou plutôt à quel point la compréhension sera détaillée après le conseil scientifique et technique. Je comprends que ce sera suffisamment détaillé et bien expliqué. Regarde, le conseil scientifique et technique se concentre sur les exigences techniques, les caractéristiques et l'apparence de l'appareil. Pour l'économie, nous commencerons à calculer l'économie. Ah bien, il y aura une autre étape suivante, oui. Donc, tout cela sera clairement compris d'ici la conférence Peut-être que lors de la conférence, nous changerons soit l'étape elle-même, soit nous annoncerons la date précise. D'ailleurs, à propos de la conférence, je profite de l'occasion pour rappeler une fois de plus que le 16 novembre, nous aurons la conférence du groupe Solar, où nous parlerons du projet des moteurs Duinov et bien sûr du projet des dirigeables. Donc, si ces projets vous intéressent, n'hésitez pas à venir. Tout cela se déroulera à Moscou. Là, nous nous verrons et nous en discuterons, certainement, bien sûr. Et donc, il y aura un moment charnière. C'est là que se déroulera l'événement principal de cette conférence. Dans le cadre du projet du moteur Douyinov, nous passerons à l'étape finale. Et dans le cadre de la génération de dirigeables, nous passons à la première étape. C'est-à-dire que tout cela est assez symbolique, on peut dire. Et c'est précisément là, oui, c'est bien cela, et là, nous annoncerons tout cela de manière ferme et claire. Lors de la conférence, ceux présents seront les premiers informés. Et tout de suite, concernant la deuxième question, combien d'argent a effectivement été collecté jusqu'à aujourd'hui Nous avons des paiements s'élevant à 728 000 dollars. C'est le montant pour lequel les gens ont acquis des paquets d'investissement. Et en ce qui concerne la question de savoir comment vous évaluez vous-même le rythme de financement, mais regardez, on ne peut pas dire si c'est bien ou mal. Certains diront que c'est peu. Je ne sais pas. 10 000 investisseurs dans la première semaine, d'autres diront que c'est beaucoup. Il faut se baser sur ce que nous avions auparavant. J'ai vérifié les statistiques avant de répondre concernant notre précédent projet. Au cours des deux premiers mois de financement, nous avons eu 200 investisseurs, c'est-à-dire que notre projet a démarré début juin, et en juin et juillet, nous avons eu 200 investisseurs. Et maintenant, cela fait en fait deux mois depuis la première conférence et l'annonce, nous avons là 1850 investisseurs, disons 2000 investisseurs, disons 2000 investisseurs. C'est-à-dire que nous avançons dans ce projet à un rythme dix fois plus rapide que celui avec lequel nous avons lancé le projet des moteurs Duino. Voilà, en fait, toute la réponse, si l'on prend les paiements, nous avons des paiements de 15 millions de dollars chez Duino. Et ici, chez les dirigeables, il y a déjà 5 millions de dollars. Le projet existe depuis seulement deux mois. Déjà, les gens ont collecté des paiements échelonnés de 5 millions de dollars. Oui, cet argent ne sera pas versé aujourd'hui et même pas dans un an, mais je suis convaincu que si nous agissons de manière cohérente maintenant, en vous informant régulièrement de ce qui se passe ici, vous-même et encore plus de personnes comprendront à quel point. Le projet que nous avons lancé est génial. Je suis sûr qu'à la fin de l'année, nous aurons déjà 10 millions de dollars en paiements échelonnés. Et en ce qui concerne le financement des deux projets, ils peuvent en fait se rapprocher des niveaux de financement actuels. Donc, tout se passe plus que bien pour nous, et les chiffres, disons-le, le montrent, surtout en comparaison avec le projet que nous avons déjà réalisé ensemble depuis plusieurs années. Oui, la réaction à ce projet de dirigeable est tout simplement incroyable, incroyablement positive, bienveillante. Tout le monde aime, ils appellent, et c'est juste des gens qui sont intéressés. Alors, en fait, vous construisez des dirigeables Eh bien oui. En effet, ainsi les spécialistes des instituts, qu'ils soient spécialisés ou non, tout le monde est intéressé, tout le monde veut participer, propose de l'aide, propose certains services, comment aider, et nous avons ceci, cela, nous nous occupons de ceci ou de cela. Eh bien, j'ai de la terre là-bas, j'ai ça, j'ai tout, et de tous les côtés, tout cela s'effondre. Il y a beaucoup d'initiateurs, le sujet plaît énormément à tout le monde. C'est vrai, c'est naturel, des normes dirigeables, l'avenir. Oui, et donc le 16 novembre, nous aurons une conférence. Dis-moi, Fiodor. allons-nous montrer quelque chose, peut-être même nos propres produits Peut-on s'y attendre si quelqu'un vient Produits propres et innovants. Mais nos concepteurs ont beaucoup de développement, et nous avons la capacité de créer quelque chose d'intéressant et unique. Un petit dirigeable, par exemple d'environ 8 mètres, il ne volera pas cependant, en théorie, parce que... Non, cela dépend de l'endroit, si nous l'emmenons dehors, nous pourrons y voler. Si nous l'amenons à l'intérieur, il est probable que nous, eh bien, nous ne pourrons pas voler avec... Parce qu'il faut le dégonfler. Puis le gonfler, c'est de l'hélium. Bien qu'on puisse aussi le gonfler avec de l'hélium. En gros, nous apporterons quelque chose en plus. Cela va certainement se faire. La question est où et sous quelle forme. Mais vous verrez certainement des dirigeables là-bas. Petits. On ne peut pas vraiment les qualifier de jouets. Mais ils ne sont pas très sérieux. Mais combien, eh bien, il peut déjà soulever tranquillement 10 kg. Voici le dirigeable qui peut être démontré, jusqu'à 40 dans celui-ci. En gros, cette année, nous allons montrer des échantillons tests, disons simplifiés, qui pèsent jusqu'à 10 kg. Eh bien, la tâche, comme un plan standard, oui, cela sera déjà montré dans l'année 1000. En un an, développer un appareil sérieux entièrement autonome, qui peut être utilisé dans le commerce, se produire sérieusement, et pour lequel nous avons des tâches que nous serons ravis de résoudre contre rémunération. Alors, passons aux questions. Sur la chaîne YouTube des dirigeables de nouvelle génération, d'accord, nous allons également inclure quelques informations supplémentaires. On demande qui vient de Douinov. Eh bien, bien sûr, il y a beaucoup d'investisseurs ici de notre premier projet. Ce n'est pas surprenant. Ces dirigeables seront-ils équipés de la Slavanka de Douinov Au moins. Au moins. Il y a de fortes chances que ce soit probablement le cas. Nous avons présenté les dirigeables à Vera Alexandrovitch. Nous les avons emmenés à Sovolmash. Ils ont discuté et compris qu'il y avait des points de contact. Les dirigeables ont apprécié les caractéristiques des moteurs. Dwinov a demandé des cahiers des charges clairs. Les spécifications techniques seront établies après le premier NTS lorsque les capacités et d'autres configurations seront précisément définies. En général, un cahier des charges sera formé et transmis à Sovolmash. Si Sovolmash répond positivement, alors les moteurs seront certainement. Alexandre écrit que nous manquons de temps pour terminer un projet avant de commencer un autre, et que l'argent n'est pas infini, que le cours du dollar augmente, etc. Écoutez, Alexandre, tout d'abord, on vous a bien répondu que dans le projet Sovolmash, pour financer davantage le projet, les échéances qui existent suffisent amplement. Oui, de nouveaux investisseurs sont également nécessaires là-bas en ce moment. Mais il n'y a pas de risque que le projet soit sous-financé. Car, encore une fois, il y a déjà suffisamment de paiements échelonnés pour amener l'entreprise à sa phase finale. De plus, une commission est déjà en place et l'entreprise doit commencer son activité commerciale d'ici la fin de cette année. Et en fait, les investisseurs ainsi que cet argent qui va arriver à la fin sont principalement nécessaires pour l'achat supplémentaire de certains équipements et pour maintenir ce volmache à flot jusqu'à ce que le premier bénéfice soit réalisé. Nous avons débuté un nouveau projet quand nous avons réalisé que le premier projet n'était pas seulement en sécurité, mais qu'il allait se réaliser de plus. Si toutes les technologies et toutes les innovations étaient lancées les unes après les autres, nous vivrions depuis longtemps à l'âge de pierre. C'est pourquoi nous avons toujours dit que nous prendrions un deuxième projet, mais nous le ferons seulement lorsque nous sentirons que nous sommes prêts, quand notre communauté de partenaires prête, quand il y aura une telle demande de la part des investisseurs. Eh bien, il est maintenant impossible de passer à côté des dirigeables. On a parlé pendant une heure et demie aujourd'hui de pourquoi c'était impossible précisément maintenant. En aucun cas, si nous attendons encore un petit peu, un acteur de grande envergure apparaîtra certainement dans le pays, d'autant plus que nous sommes là, car il y a une demande de la part du gouvernement pour la mise en place de programmes de développement de l'industrie des dirigeables, et il y a probablement, en effet, des fonds budgétaires prévus à cet effet, en réponse à ces demandes notamment, et absolument de manière significative. Ce même collectif d'ingénieurs qui est le seul capable de réaliser cela dans un pays pourrait être récupéré par quelqu'un. Est-ce que cela nous intéresse Non, cela ne nous intéresse pas. Nous devons construire nous-mêmes le dirigeable et le faire de manière efficace. Donc, nous n'avons pas eu le temps de traîner, pas du tout. Oui, un proverbe disant qu'une cuillère est bonne pour déjeuner, nous avons commencé ce projet alors, mais encore une fois, nous avons eu de la chance. C'était le cours des événements. On a toujours envie de dire que c'était ainsi que cela avait été prévu, que d'un côté, le groupe Solar était prêt à commencer un nouveau projet et que le projet lui-même était prêt, disons, à commencer. Il fallait le faire maintenant. Et avec Sovolmash, tout est clair aussi. Sergei Semionov a consulté Dmitri Alexandrovitch. Et là, tout s'est mis d'accord sur le fait que Dmitri Alexandrovitch a dit « En gros, Sergei, ne t'inquiète pas, tout va bien avec Sovolmash. Nous avons ici le ZOS, nous avons le démarrage de la production, nous avons déjà une file d'attente de clients, la commercialisation, elle est déjà là. Donc, le projet a en fait eu lieu, ne t'inquiète pas, lance le suivant. » Et voilà, les dirigeables ont été lancés. Donc, ceux qui disent qu'un projet n'est pas réussi. Comme cela a été écrit. Parce que nous n'avons pas terminé autrement. Tout est certainement fini, mais maintenant, trois mois vont peut-être passer. Ou une période un peu plus courte, mais perceptible, certainement. Duénov annoncera que le premier bénéfice a été obtenu d'un certain développement. Nous dirons, oh, il est temps de construire des dirigeables. Mais tous les dirigeables sont déjà pris. En gros, il ne faut pas faire ça. Et ces trois mois qui, enfin trois mois, je ne sais pas d'où je les tire, enfin que faire quand Duenov dira que tout va bien que nous sommes tous commercialement réussis alors que nous avons déjà manqué plusieurs projets nous sommes là et eh bien au moins nous avons attendu non Eh bien du point de vue même du groupe solar il faut comprendre que ni la communauté ni les partenaires ni les employés ne pourraient vivre sans salaire pendant des mois parce que disons-le ainsi l'activité du groupe solar est un financement d'une manière ou d'une autre ainsi euh, pour les questions continuons à regarder Combien de parts y a-t-il en tout en ce moment Combien de parts Il y a 50 milliards de parts en ce moment. D'accord Vous parlez vous-même, mais certainement augmentation, pas d'augmentation, pas de prolongation de l'étape, toutes sortes d'actions, tout cela sera à votre disposition. Donc je n'ai pas vraiment compris la question. Eh bien, probablement la question concerne le nombre de parts, puis s'il y aura des actions, des augmentations, etc. Non, c'est une provocation, pas une question. Vous dites toujours que vous n'allez pas prolonger les délais, que vous ne ferez pas cela, et pourtant vous le faites quand même. Parfois vous le faites, parfois vous ne le faites pas, nous allons le faire, nous ne le ferons pas. Regardez, nous n'avons jamais fait d'offre juste comme ça. Si vous vous souvenez, par exemple, l'année dernière, nous avions une offre où il était possible d'augmenter le paquet et de prendre encore d'autres choses dans les mêmes conditions. Pourquoi avons-nous fait cela, n'est-ce pas Parce qu'il y avait une demande claire de fond de la part de Sovolmash qui, soit dit en passant, a été satisfaite. Vous devez vous en souvenir. Là-bas, en deux mois, nous devions transférer 3 millions de dollars, si je ne me trompe pas. Et nous l'avons fait. En conséquence, nous avons réussi à réaliser un certain nombre de travaux avant l'arrivée de l'hiver. Je suis sûr que si nous ne l'avions pas fait à l'époque, il n'y aurait pas eu de vérification de cette ZOS, n'est-ce pas Parce qu'à l'heure actuelle, nous serions encore en train de terminer. À ce moment-là, nous avons réussi à gagner environ six mois, oui, parce que si nous n'avions pas effectué ces travaux avant l'hiver, nous ne les aurions réalisés qu'après l'hiver. Voici la question. Pourquoi cette action était-elle nécessaire Toutes les autres actions, elles sont mises en place pour accélérer le projet. Si ici, eh bien, quelque chose de similaire est nécessaire, disons qu'il est urgent d'acheter un élément pour le dirigeable, sinon nous allons nous retrouver en attente à l'usine et ils ne s'occuperont de nous que dans trois mois. Eh bien peut-être que nous organiserons aussi une promotion, mais c'est toujours une mesure de nécessité. Alors, une question, il est clair qu'il ne sera pas possible d'entrer dans tous les domaines en même temps, mais ce qui a été examiné, je comprends. De quel domaine s'agit-il mais je comprends que l'on ne pourra pas entrer dans tous les domaines en même temps. Une autre question est de savoir combien de projets ont été examinés et seront réalisés, peut-être peut-être dans le domaine d'application des dirigeables, peut-être des régions. Dans le domaine d'application, il s'agit de transport de marchandises sans pilote. C'est le premier point. Le second concerne cet appareil. L'essentiel concerne le transport de marchandises sans pilote. En ce qui concerne cet appareil, il est probable que les premières utilisations seront touristiques. Il y a une forte demande pour plusieurs appareils touristiques. C'est une demande solide et importante. C'est une chose essentielle. Et deux aspects importants. C'est comme de bons démonstrateurs, des exemples parfaits pour un développement futur, parce que cela est crucial. Il est possible de construire immédiatement un grand appareil pour le transport, par exemple des fusées porteuses vers l'usine de fabrication sur le cosmodrome, mais on dira ⁇ Construisez à vos frais ⁇ Nous verrons ensuite si c'est sûr ou non, si nous allons certainement l'utiliser, si nous allons peut-être éventuellement construire et certifier un vaisseau touristique pour faire des tours. Parler des mêmes personnes venant de l'espace et dire que, voyez-vous, cela fonctionne, c'est une toute autre conversation. Donc, ces premiers vols seront probablement touristiques et serviront de démonstrateurs. Les vols suivants seront pour le transport de marchandises. En ce qui concerne les grands appareils, ils sont nécessaires pour l'espace, pour l'industrie pétrolière et gazière et pour de nombreux autres secteurs il est encore trop tôt pour en parler. Donc, si l'on parle de direction, il s'agit d'un appareil sans pilote, simplement un drone de transport. Ces premiers vols seront probablement touristiques, et ensuite nous verrons... Et si l'on parle des marchés... Sur quel marché envisagez-vous de vous développer Sur les marchés de quel pays C'est une bonne question, mais ce qui nous intéresse le plus, c'est d'entrer sur les marchés asiatiques, naturellement, parce que la situation géopolitique actuelle nous indique que c'est notre seule option. Cependant, le projet est certainement international et peut en effet se développer dans toutes les directions. Nous verrons. Accent Asie, pays propre, et ensuite direction européenne, puis en direction de l'Europe. Oh, Afrique. L'Afrique est probablement le marché le plus vaste et le plus grand. Probablement par là que nous commencerons. Donc, nous commencerons probablement par chez nous. Tout cela se fera de manière expérimentale et démonstrative. Puis, nous nous dirigerons vers l'exploration du continent africain. Tout cela est également lié à la délivrance de licences et à la certification. Ensuite, nous nous dirigerons vers l'Asie. Et le troisième prioritaire sera l'Europe et au-delà. En résumé, la stratégie de mouvement sur les marchés, en général, est celle-ci, en général. On peut tendre un réseau autour de la ville avec un groupe de dirigeables. Peut-être que ce n'est pas nécessaire. C'est une question sur les drones. Les ballons aérostatiques importés, par exemple, pourront y être, mais il y en aura beaucoup. Est-ce nécessaire ou non C'est une question... Pas des dirigeables, il vaut mieux commencer par des ballons aérostatiques importés. Est-il possible de disperser les nuages ou de capturer et livrer l'eau pour l'irrigation lors de sécheresse C'est plus simple de puiser dans le lac que d'absorber un nuage. Il est chez nous, chercheur. Artem, dis-moi, est-il possible d'absorber un nuage Théoriquement, oui. Théoriquement, c'est possible, disent-ils. Alors, peut-on vraiment vendre exactement peut-être de l'eau provenant des nuages Eh bien, condenser un nuage, oui, c'est naturellement possible. La question est celle de la faisabilité. Il indique où il n'y a pas d'eau, pas de nuages, donc si l'on doit. Certainement arroser des terres agricoles dans une région aride, il faudra probablement, et de manière significative, prendre l'eau d'un réservoir. Quelqu'un s'est enfin occupé de ce que je répète depuis deux ans, qu'il est nécessaire de développer et d'appliquer les vieux et bons aéronefs y compris pour protéger les objets stratégiques contre les drones et les terroristes. Oui, pas de problème, juste un commentaire. Sinon, 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 les dirigeables intéressent tout le monde. Pour se protéger contre les drones, d'après les commentaires, le stratosphérique est inaccessible pour les drones. Il peut rester en suspension au-dessus du point de départ et récupérer de l'eau dans l'atmosphère pour la déverser en tonnes sur la tête des opérateurs de drones. Ou pour diriger l'artillerie en toute sécurité et efficacement. Le strato serveur, oui, c'est un appareil très intéressant, multifonctionnel. Pendant qu'ils vont construire, cela ne sera déjà plus d'actualité. C'est à propos de quoi, d'ailleurs? Des dirigeables. Sur les dirigeables, oui. La personne ignore depuis un an. Et qu'est-ce qui est intéressant là-bas Les soucoupes volantes vont-elles voler chez nous dans un an? Allez, écrivez dans les commentaires ce qui sera pertinent dans un an. Il est vraiment très intéressant que tu aies mentionné que l'un de ces changements rapides et significatifs est que le dirigeable moderne et avancé sera entièrement informatisé et automatisé. Informatisé, oui, bien. Oui, un grand ordinateur. Dans ce sens, oui, quelque chose va changer rapidement, mais nous avons des spécialistes. Ils sont très bons. Oui, nous avons des informaticiens très modernes et de premier plan qui travaillent avec l'intelligence artificielle, l'apprentissage automatique et des systèmes de pilotage automatique basés sur des principes complètement différents. Ils font tout cela et comme toute autre technologie, prenez une voiture d'il y a dix ans. Et une voiture moderne, elle est maintenant vraiment plus un ordinateur qu'une voiture... Et avec le dirigeable, ce sera la même chose même avec celui-ci en premier, donc tout sera pertinent ou non. Ce sera très classique. Qui va surveiller le gardien plutôt que de protéger les dirigeables de nouvelle génération eux-mêmes Apparemment. Voici la question. Il faut considérer cela de manière globale. Quel dirigeable spécifique allons-nous surveiller Si c'est une surveillance, il y a sûrement des surveillants à proximité des surveillants. Et si c'est un exemplaire unique pour le tourisme, se déplaçant d'un point A à un point B alors, tout d'abord, il doit y avoir des gardiens le long du parcours et, une certaine confiance dans l'itinéraire, il est évident qu'il est interdit de voler là où il est interdit de voler. Eh bien, le couple lui-même doit être équipé d'un système de sécurité, ils doivent être disponibles, ils seront forcément là. Donc, il faut considérer cela de manière globale. La question est, qui surveillera le surveillant Nous allons nous en occuper. Eh bien, ici aussi, il y a un commentaire dont on a beaucoup parlé, à savoir que le dirigeable est bien adapté pour l'Arctique, la Sibérie et l'Extrême-Orient avec de très grandes perspectives, ce qui pourrait relancer l'économie. De plus, il est proposé d'acheminer du poisson frais depuis Sakhaline. Oui, il y a beaucoup d'idées d'application et comme je l'ai déjà dit, il est très important pour notre entreprise de vous le démontrer. Tout d'abord, nos capacités organisationnelles, que nous nous sommes organisés et avons finalement construit ces appareils. Deuxièmement, démontrer qu'il s'agit d'appareils modernes, très avancés et capables d'exécuter des tâches spécifiques avec une économie claire et efficace. Et dès que nous aurons démontré tout cela, pour ainsi dire, nous fournirons à l'expert un outil, dans ce cas c'est le business. Et l'entreprise disposera d'un outil clair et compréhensible avec une économie claire et des caractéristiques compréhensibles. En résolvant ces problèmes, l'entreprise se dira ⁇ Voilà comment j'ai résolu tel ou tel problème, maintenant je peux appliquer cela ⁇ Nous avons mesuré l'efficacité, nous l'appliquons pour l'instant, et il n'y a pas de nouveaux ciseaux, personne ne pense à l'appliquer. Voici notre tâche offrir au monde un nouvel outil suffisamment efficace avec de nombreuses applications que ce soit pour la pêche avec le sac à que ce soit pour des serveurs suspendus en hauteur où il n'est pas nécessaire de payer pour leur refroidissement car tout se refroidit par l'environnement extérieur il y aura une multitude d'applications notre tâche est un peu différente démontrer nos capacités organisationnelles et techniques dans la résolution de ces tâches Eh bien, je vois que nous n'avons plus de questions, donc je pense que nous pouvons terminer l'émission aujourd'hui. Avant de conclure, je vous rappelle encore une fois, amis, que demain à 19h, heure de Moscou, nous aurons un grand webinaire de rapport du groupe Solar. Nous y parlerons des chiffres globaux, des résultats et des réalisations. Lors de ce webinaire, nous serons avec Fyodor Sergei Shevchenko et Sergei Semenov, le directeur général du groupe Solar, alors n'hésitez pas à venir. Je suis sûr qu'il y aura beaucoup d'informations intéressantes pour vous. Nous parlerons des dirigeables et des enroulements combinés. En gros, nous répondrons à vos questions. Nous vous attendons tous. Et jeudi, il y aura déjà un webinaire d'actualité sur le projet des dirigeables de nouvelle génération. Ne manquez pas cela, invitez vos amis et n'oubliez pas de donner le plus d'activités possible. D'ailleurs, abonnez-vous à nos réseaux sociaux où vous nous regardez actuellement afin de ne pas manquer les futures diffusions. En général, pour soutenir le projet, il faut s'abonner, aimer et partager. Les blogueurs le disent automatiquement. Dans notre cas, c'est nécessaire. Le projet est de financement participatif. Le financement est populaire. Pour faire décoller de grands appareils dans les airs, oui, c'est évident. Nous allons rassembler de l'air pour le faire monter. Mais si nous voulons vraiment soulever une centaine de grands appareils en série, tout le monde devra faire des efforts. Donc, au minimum, l'abonnement et la cloche sont obligatoires. Il y a encore deux questions, j'ai jeté un coup d'œil. Tout d'abord, on dit que ça sent un peu le MMM. Rendez-vous à Technopolis à Moscou, à Zelenograd à la Bouchevo, et regardez. Cette pyramide que nous avons construite, combien de milliers de mètres carrés d'espace de production il y a selon les dernières normes Les sciences et les techniques sont réalisées grâce à cette méthode, financée par cette entreprise, puis vous devez les retourner et les commenter, cela ressemble-t-il à MMM ou pas Et deuxièmement, ici, on demande quand il y aura des photos de qualité et des vidéos pour les partenaires, pour la promotion dans le projet. Eh bien, collègues, précisez ce dont vous avez exactement besoin. Il y a déjà deux présentations disponibles, pas ceux que nous montrons en webinaire, mais ceux spécifiquement pour les partenaires. Ils sont disponibles dans le cabinet personnel, c'est-à-dire que si des documents supplémentaires sont nécessaires, nous avons des chats pour les partenaires, vous pouvez simplement écrire dans le chat des investisseurs, nous lisons tous ces chats, nous écouterons sans problème vos suggestions et créerons les matériaux dont vous avez besoin. Nous allons avoir cette NTS. Après la NTS, il faudra encore juste un peu de temps pour créer l'apparence technique du design. Au début, l'apparence technique sera naturellement technique, simplement des moteurs ici, une puissance là-bas, et ainsi de suite. Il nous reste un peu de temps pour réaliser le design industriel, et sur la base de l'apparence réelle, qui sera construite et s'envolera dans un an, nous préparerons probablement des matériaux pour la présentation en vue de la première conférence. Donc, si vous avez besoin de présentations aussi détaillées avec des chiffres, des visuels et des feuilles de route, attendez encore un peu. Tout viendra. Je ne voulais pas créer ces quelques matériaux sans avoir de base. Tout le monde fait vraiment comme ça. Ce n'est pas très joli. Faisons-le humainement, attendons juste un peu. Donc, voilà, c'est tout. Bonne chance à ceux qui le souhaitent. Merci à l'équipe et à tous ceux qui ont contribué. Un grand merci à vous aussi pour votre attention, pour votre engagement et votre participation au projet. Je suis sûr que nous verrons bientôt le premier dirigeable. Et pas seulement le dirigeable, oui, aussi les appareils stratosphériques. Les toutes premières conférences, Fiodor l'a déjà dit, donc nous attendons tous. J'espère que nous pourrons montrer quelque chose. Bon, nous allons alors terminer. Merci à vous tous. Au revoir à tous. Oui, s'il y a des questions brûlantes auxquelles nous n'avons pas répondu, écrivez-les dans le groupe Telegram, nous y sommes toujours disponibles. Voilà, à tous, au revoir. Voilà, there.